Bonjour à tous. Alors, bienvenue. Je suis très content de modérer cette table ronde qui s'appelle, dont le titre est « Disruption environnementale, faire face à l'incertitude radicale ». Alors, je m'appelle Guillaume de Calignon, je suis journaliste aux Échos et je suis chargé de modérer cette table ronde avec des éminents spécialistes. Alors, j'ai à ma droite Clarisse Magnien, qui est directrice générale de McKinsey France. Madame Sylvie Berman, qui est ambassadeur de France et qui est présidente de l'IHEDN. Et Aurélien Acquier, qui est professeur et doyen associé à la transition écologique de l'ESCP. Et alors là, j'ai deux personnes qui sont en visioconférence avec nous, qui sont Mathieu Orphelin, qui est député du Maine-et-Loire, et Niels Pedersen, qui est délégué général du United Nations Global Compact France. Donc, bienvenue à tous. Alors, le sujet est passionnant sur l'incertitude radicale face à laquelle nous allons être. Et alors, le GIEC est très clair. Hein. Nous allons rentrer dans un monde où les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus fréquentes. Nous savons donc que nous allons faire face à des difficultés, mais nous ne savons pas exactement où ni quand celles-ci se produiront. Et anticiper l'imprévu, renforcer notre résilience, c'est, avouons-le, une tâche quand même particulièrement ardue dans des sociétés démocratiques et libérales, d'autant qu'elles sont souvent fracturées de plus en plus. Alors, c'est difficile parce que, d'abord, sur le plan politique, prendre des décisions demande du courage et surtout, ça exige un certain niveau de consensus dans nos sociétés, avec une question centrale, qui va payer pour la transition et l'adaptation de nos sociétés. Et ensuite, sur le plan économique, le temps de l'entreprise et des marchés financiers n'est pas du tout celui du climat ni du politique. Bon, on le voit bien, les difficultés ne sont pas minces. Et on le voit très bien aujourd'hui avec la crise énergétique qui est pourtant tout sauf inattendue. Alors, si même pour des événements prévisibles, on a du mal à nous organiser, comment est-ce qu'on va s'adapter à l'imprévisible? Alors, à l'avenir, justement, cette incertitude radicale qui nous attend, c'est quoi pour vous, Aurélien Acquier? Je vous passe la parole. Merci Guillaume et bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, je pense que c'est très important au début de la table ronde de se mettre un petit peu d'accord sur où est l'incertitude autour de ce sujet. Et effectivement, pour rebondir sur votre introduction, je pense que une grande partie du problème n'est pas du tout liée à l'incertitude. Au contraire, en fait, je pense que le vrai problème auquel on est confronté, c'est la difficulté à intégrer et à entendre des certitudes scientifiques. C'est-à-dire, si on regarde effectivement le dernier rapport du GIEC, mais alors c'est le dernier rapport du GIEC du groupe numéro 1 sur la physique du changement climatique, mais c'est le GIEC dit en gros la même chose depuis 2 à 3 décennies, avec un niveau de certitude qui va croissant. Et en fait, ce que nous dit le GIEC, c'est que l'homme a une influence radicale sur le climat à travers les émissions de gaz à effet de serre, que quelles que soient les stratégies de réduction et leur ambition, on va continuer à connaître une augmentation du climat. On sait qu'on a gagné 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Alors 1,1 degré depuis 1850, ça ne parle pas beaucoup, mais une manière par contre qui parle beaucoup plus, je pense, c'est de se dire que depuis le début des années 2000, le climat mondial a augmenté en moyenne dans l'atmosphère de 0,2 degré. 0,2 degré, ça semble rien hein, quand on l'énonce comme ça. Il faut quand même, depuis le début des années 2000, se poser la question de comment ont évolué les catastrophes climatiques extrêmes. 0,2 degré, c'est à mettre en lien avec les catastrophes climatiques qu'on a connues cet été, donc les méga-feux en Sibérie, au Canada, en Europe, en Grèce, etc., les problématiques d'inondation qu'on a connues en Allemagne et en Belgique. Et donc on voit que ces 0,2 degrés, c'est déjà un changement de monde, en fait. Et ce que nous dit le GIEC, c'est que ce processus-là, on ne va pas l'arrêter. En fait, tout ce qu'on est en train de négocier aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste dans un domaine contrôlable ou pas, selon la radicalité de nos actions. Donc juste, par rapport à cette question de l'incertitude, le problème n'est pas l'incertitude radicale parce qu'en fait, les modèles du GIEC sont très clairs et même ils sont très précis sur ce qui nous attend géographiquement. Là, j'invite tous les gens qui nous regardent à se connecter hein, sur le,
site du GIEC et de voir que, en fait, géographiquement, aujourd'hui, on est capable de dire, selon les scénarios de réchauffement, qu'est-ce qui va se produire en Europe, qu'est-ce qui va se produire en Asie, etc., en termes de précipitations, d'événements climatiques extrêmes, etc. Notre problème, c'est plutôt la radicalité de la certitude et les implications que ça a pour nos sociétés et notre capacité collective à penser ces transformations radicales sur nos modèles sociaux, nos entreprises, nos activités. Quoi. Là, on a un vrai sujet. Mathieu Orphelin, vous êtes d'accord avec le fait que il y a une radicalité de la certitude et par contre l'incertitude radicale peut-être moins. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Aurélien Hacquier? Je suis d'accord avec son analyse, notamment sur le fait qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune incertitude sur les risques climatiques et que la quasi-totalité des scientifiques ont parfaitement documenté ce qui s'est passé, l'évolution, et le dernier rapport du GIEC est évidemment un rapport en plus et encore plus précis que les précédents. Et donc, il n'y a aucune incertitude sur les évolutions climatiques possibles, sur les dérèglements. Effectivement, derrière ces chiffres qui paraissent pas si angoissants de 1,5 degré, 2 degrés, aujourd'hui, on est plutôt sur la route des 3,5 ou 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Derrière, se cachent des conséquences et des événements climatiques extrêmes plus généralisés, un changement climatique plus rapide et des événements extrêmes qui s'intensifient. Juste un chiffre sur les vagues de chaleur. En France, par le passé, c'était à peu près une vague de chaleur tous les 50 ans. À un monde à plus de 2 degrés, on aura des vagues de chaleur 14 fois plus fréquentes, 40 fois plus fréquentes à 4 degrés, et c'est le futur vers lequel on va aujourd'hui. Ça veut dire dans un pays comme la France, des canicules avec 50 degrés sur une bonne partie de notre territoire métropolitain. Donc on voit cette description très précise des futurs possibles, et l'incertitude majeure, elle est sur la capacité de notre société, sur notre capacité individuelle et collective à répondre à cette urgence-là. C'est quoi ? On va voir dans les rapports sur l'action du GIEC en début 2022, mais si on se base sur les rapports précédents, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 6 à 7% par an. 6 à 7% par an, voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Et j'ajouterai un mot sur, et vous l'avez dit en introduction, on est aujourd'hui, dans un pays comme la France ou en Europe, comme dans le reste du monde, déjà incapable de réagir à une crise énergétique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les crises énergétiques, personne n'a su jamais les prévoir, mais il y en a toujours eu depuis les années 70. Aujourd'hui, on a une crise énergétique qui est peut-être de plus grande ampleur encore que celle de 2018 qui engendra la crise des Gilets jaunes. Je vois ça depuis l'Assemblée nationale, que le gouvernement n'a pas progressé entre 2018 et aujourd'hui. On n'a pas, dans ces trois ans, il n'y a pas eu de stratégie nationale en bringant l'ensemble des acteurs, disant à la prochaine crise énergétique, comment on fait, comment on réagit. Et là, du coup, les uns et les autres sont en train d'essayer de trouver des mesures pour en quatrième vitesse. Mais vraiment, on n'arrive pas à anticiper ces problématiques-là. Et je crois que c'est un des grands enjeux demain pour notre pays. Les crises énergétiques, les crises sur les ressources. On a vu l'industrie automobile quasiment à l'arrêt depuis des mois par le manque de semi-conducteurs. Donc, notre capacité à anticiper toutes ces crises, à faire des crash tests. Qu'est-ce que devient notre pays si on a une pénurie massive sur les ressources, si on a une crise énergétique qui nous met le pétrole demain à 152 $, si on a des vagues successives de sécheresse très très fortes. C'est cette anticipation-là qu'il va falloir vraiment qu'on remette dans l'action politique, dans l'action économique, et c'est comme ça qu'on préservera la cohésion sociale de notre pays. Ok, merci. Sylvie Berman, Monsieur Orphelin vient de parler de vagues de chaleur qui seraient à 50 degrés en France métropolitaine si jamais le climat se dégradait encore.
Vous êtes ambassadeur de France, vous avez travaillé sur des crises climatiques qui sont devenues des crises géopolitiques, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Par exemple, je crois qu'au Sahel, vous avez été sur ces dossiers. Est-ce que déjà on voit les problèmes que ça peut poser? Alors, le sujet, en fait, est évoqué depuis très longtemps, comme ça a été dit. Le sujet a été évoqué depuis très longtemps, bien sûr, par les scientifiques et par le GIEC, mais je crois que les autorités, à la fois politiques et puis les institutions internationales, ont mis beaucoup plus de temps à se préoccuper du sujet. Il y a eu, en 2007, aux Nations Unies, la première réunion du Conseil de sécurité. C'était une proposition britannique. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, la plupart des pays ont refusé cette réunion ministérielle du Conseil de sécurité. La France n'était pas chaude. Il se trouve que j'étais directrice des Nations Unies et des organisations internationales à l'époque et que je voyais un intérêt. Le thème, c'était énergie, climat et sécurité. Donc le lien, effectivement, entre le dérèglement climatique et l'insécurité. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'après toutes les réticences qu'il y a eu, on a vu le plus grand nombre de ministres et surtout les chefs d'État et de gouvernement des petites îles se sont déplacés à New York et ça a été un événement de grande ampleur. Ça a été la première fois en fait que le sujet était traité de manière un peu médiatique. Le New York Times en a fait sa une. À l'époque, il y avait le programme des Nations Unies pour l'environnement, mais c'est un programme, ce n'est pas une institution indépendante. Et il est à Nairobi, il a peu de moyens, était peu écouté. Alors, les études qui ont été faites par les Nations Unies, c'est effectivement le lien entre ces sécheresses, en particulier en Afrique, dans le Sahel, et les guerres l'insécurité d'abord, la recherche de l'eau, où les femmes d'ailleurs étaient très menacées, puisque c'est elles qui vont chercher de l'eau, elles sont victimes de viols, de violences. Et l'étude a été faite également par le PNUE sur les réfugiés climatique. Et on avait travaillé quand j'étais directrice des Nations Unies sur ce sujet-là, mais je dois dire que la première note que nous avions faite était un flop total parce que à l'époque personne n'y croyait et que ça n'intéressait personne. Et aujourd'hui, c'est devenu une évidence parce que effectivement, ces crises peuvent se produire dans d'autres endroits du monde. D'accord. Merci. Et alors, est-ce que vous, Clarisse Magnin, vous estimez qu'aujourd'hui, on a les compétences pour anticiper ces crises, ou alors il faut qu'on fasse de gros efforts de prospective, notamment chez les entreprises ou... Alors, moi, je me dis que... Moi, je ne veux plus parler du diagnostic, parce que je pense qu'on l'a entendu, réentendu. Après, je pense que si on ne veut pas l'écouter, on peut ne pas l'écouter, mais je pense qu'il a été tellement communiqué. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait, et notamment, que font les entreprises, parce qu'à la fin, ce sont quand même elles qui sont les acteurs productifs de produits, de services, et qui créent ces externalités. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles sont leurs marges de manœuvre. Et après, c'est assez simple, en fait. C'est assez simple. Aujourd'hui, avec le coût du carbone, on arrive à financer que la moitié des mesures qui permettent de décarboner notre activité humaine, qui est concentrée, les externalités, c'est 5 grands secteurs, c'est la construction, les bâtiments, c'est l'énergie, le transport, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Il y a 75, où on a fait des études, il y a 75 secteurs, 10 grands pays, je parle pour l'Europe, mais au final, il y a 5 secteurs qui comptent, et c'est ceux-là qui doivent décarboner à l'échelle, avec la vitesse maximale, à horizon 2030-2050. Aujourd'hui, pourquoi ça ne se passe pas aussi vite et aussi fort qu'on le voudrait? C'est qu'en fait, il y a les coûts et il y a les investissements. Nous, on a démontré dans une étude qu'on pouvait être carbone neutral, enfin être zéro carbone, à horizon 2050, à iso-coût. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui coûtent de l'argent,
il y a un certain nombre de mesures qui font faire des économies. Et quand on fait la somme, en fait, ça s'autofinance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est un chemin de crête parce qu'il faut beaucoup de collaboration, il faut des technologies, etc. Mais ce chemin de crête, il a été décrit. Nous, on a décrit les 600 leviers sur tous ces secteurs qui permettent d'y arriver. Donc, on l'a modélisé, on sait que c'est possible. Sur la partie coût. Et on a regardé l'impact en termes d'emploi, parce qu'on parlait des gilets jaunes, etc. Il faut qu'on arrive aussi à ce que cette transition environnementale, elle fonctionne pour les citoyens, les citoyennes, pour les hommes et les femmes qui habitent sur ces territoires. Donc nous, on a modélisé qu'on pouvait créer 11 millions d'emplois, mais qu'on en perdrait 6 millions, ce qui ferait une création nette de 5 millions. C'est super, une création nette de 5 millions, mais il y en a quand même plus 11 et moins 6. Donc ça, il faut le gérer sur les prochaines années. La question n'est pas facile. Voilà, donc je pense que moi, je suis vraiment passionnée par cette question du comment. Et je pense qu'il y a les coûts, il y a les impacts sociaux typiquement sur l'emploi, et il y a la question de l'investissement. Et aujourd'hui, l'investissement, nous, on dit 50% de ces mesures s'autofinancent, 50% ne s'autofinancent pas. Si le coût de la tonne de carbone monte à 50 euros, on a 75% de ces mesures qui sont rentables. Si le coût du carbone monte à plus, typiquement, je sais pas, 75 euros, on a 85% de ces mesures qui fonctionnent. Ouais. Donc à un moment, on est dans une économie de marché et l'acteur privé, les décideurs, je pense qu'ils sont au courant, ils sont sensibilisés, je pense qu'il y a une envie de faire. Après, il faut qu'on arrive à trouver des modèles, et donc c'est pour ça qu'il y a un rôle aussi pour les réglementations, pour être un catalyste de l'accélération de ces changements. D'accord. Monsieur Pedersen, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Clarisse Magnin? Vous avez l'impression aussi que les décideurs économiques sont déjà bien conscients du problème est-ce que vous avez l'impression que les entreprises ont avancé ces dernières années sur ces sujets-là? Vous êtes responsable du Global Compact en France, donc qui regroupe 3000 entreprises, je crois. Dites-moi. Alors, on a dans le monde 13 000 entreprises, effectivement, au travers du Global Compact des Nations Unies. Je retrouve complètement dans les propos de Clarisse Magnin. Effectivement, l'entreprise, elle se pose la question du comment. Et au niveau mondial, 75% du PIB est produit par l'entreprise. Donc, on voit bien que si l'entreprise n'est pas au cœur de ces démarches, on n'y arrivera pas. Nous, on le voit. Alors après, on a un tropisme un peu particulier puisque les entreprises qui sont membres du Global Compact des Nations Unies sont dans une démarche volontaire depuis déjà plus de 20 ans. Parce que le Global Compact, c'est une initiative lancée en 2000 par Kofi Annan pour donner un visage humain à la mondialisation. Et d'ailleurs, ce visage humain, c'est aussi la prise en compte de certains nombres de responsabilités autour de quatre grands piliers, les droits de l'homme, les normes internationales du travail, la lutte contre la corruption et évidemment l'environnement. Donc les chefs d'entreprise qui sont adhérents au Global Compact ont conscience effectivement de ces enjeux. Sur le constat, moi je ne reviendrai pas, effectivement je pense qu'on est assez d'accord et je rajouterai simplement un élément, c'est quand on se sent exclu qu'on aspire à l'ivresse de la radicalité. Donc, la question est comment chacun des acteurs, que ce soit la puissance publique, la société civile ou l'entreprise, peut apporter des réponses aujourd'hui à ces défis, avec un élément aussi important, et ça a été dit tout à l'heure par le professeur Hacquet, c'est que la connaissance scientifique est remise en cause, les convictions scientifiques sont remises en cause, on est dans le règne aujourd'hui de l'opinion, c'est compliqué, même au-delà de l'opinion, de l'émotion et de l'image, et donc du court terme. Or, les enjeux qui sont devant nous sont des enjeux de long terme, l'entreprise s'inscrit dans le long terme, là où l'opinion publique, et dans certaines mesures parfois le politique, s'inscrit dans le court terme. Et donc comment on arrive à la fois à emboîter ces échelles territoriales, mais aussi ces échelles de temps. Et c'est là finalement une forme de radicalité, c'est que certains veulent aller très très vite, ça a été dit tout à l'heure. L'entreprise ne peut pas aller plus vite qu'un certain cycle de vie de produit. On parlait du carbone juste avant, il y a un besoin de réglementation, c'est normal, on est en démocratie, ça prend du temps, c'est du dialogue au niveau européen, au niveau mondial. L'entreprise, elle peut faire un certain nombre de choses, mais elle est aussi tributrice de normes. Elle peut se lancer dans l'initiative volontaire, je vous ai dit, le Global Compact, le MEDEF a aussi lancé le Climate Pledge, par exemple, pour montrer que les entreprises peuvent s'engager de manière volontaire sur les enjeux climatiques, mais c'est une collaboration collective qui nécessite du dialogue et d'échange. D'accord. Je voudrais revenir sur quelque chose, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, notamment, vous avez parlé du fait que les décideurs économiques aujourd'hui sont conscients du problème.
Vous, Aurélien Quier, vous travaillez pour une grande école de commerce, de management. Est-ce que c'est l'impression aussi que vous avez, ou alors est-ce que il faut quand même accélérer cette formation, et finalement il y a quand même des gens qui n'ont pas conscience de la radicalité de ce qui va se passer? Alors c'est une très bonne question. Du coup, ça permet de rebondir aussi sur le point que soulevait Clarisse sur est-ce que le diagnostic est entendu. Alors il est entendu de plus en plus dans beaucoup de sphères, mais je pense qu'il n'est pas entendu partout. Et en fait, je pense qu'on est encore loin d'une prise de conscience du bon niveau sur ces enjeux. Et donc, pour moi, et je le vois d'ailleurs, c'est très intéressant. Une manière d'illustrer ça, c'est chaque année, PricewaterhouseCoopers fait un sondage sur les risques les plus importants perçus par les grands CEO au niveau mondial. Hyper intéressant de regarder l'évolution de la perception des risques. En gros, le risque climat, dans les trois dernières années, n'est nulle part. Il est revenu là en 2021, il est re-rentré en neuvième risque perçu. Neuvième risque perçu le plus important. Auparavant, les CEO mondiaux sondés par PricewaterhouseCoopers mettaient 10 autres priorités dans lesquelles n'était pas le climat, avec les incertitudes liées à la régulation, overtaxation, etc. Ce qui pose aussi des questions sur comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui la taxe carbone dans une échelle de temps suffisante pour répondre aux enjeux. Bref, je pense qu'on est encore très très loin d'une juste prise en compte, à la fois au niveau politique et économique, de la radicalité à laquelle on est exposé sur ces sujets-là. Et un élément là pour lier cet élément macro avec des niveaux plus micro de mon activité quotidienne, ce que j'observe en fait, c'est que nos étudiants en formation initiale sont souvent beaucoup plus sachants, ont une sorte de climate literacy qui est déjà beaucoup plus importante et homogène en moyenne que ce qu'on observe dans les classes plus dirigeantes. C'est au niveau middle et top management. Ce que j'observe, c'est qu'au niveau top management, on a une hétérogénéité très forte sur ces sujets, avec des gens qui sont parfois très experts et qui ont bien compris, et d'autres situations dans lesquelles ce n'est pas du tout le cas. Donc d'abord, ça c'est un point, moi en tant que formateur, professeur sur ces sujets, je pense qu'il ne faut quand même pas négliger le fait que le diagnostic, il n'est pas parfaitement partagé, qu'il y a un énorme travail pour le mettre au bon niveau. D'accord. Et au-delà de ça, du coup, ça veut dire que pour nous, institutions de formation, on a deux grands sujets en fait, c'est mettre tout le monde au bon niveau, donc avoir une ecological literacy qui est suffisante pour tous nos publics, et puis ensuite, développer des capacités de prospective. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les enjeux, ce qui va se produire dans les prochaines décennies, ce dont on est certain, ce dont on n'est pas certain, comment on projette l'entreprise et nos sociétés face à ces incertitudes, et à partir de là, comment on essaye de penser à la fois des stratégies d'adaptation et des stratégies de réduction. Mais je pense que là, on a quand même aujourd'hui des gaps de compréhension et de compétences qui sont très importants. En tout cas, c'est mon expérience vécue en tant que prof. Mathieu Orphelin, vous aussi, vous trouvez que il y a quand même, il y a différentes vitesses de prise de conscience dans la société française. Peut-être que les jeunes sont beaucoup plus conscients que les politiques. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les politiques aillent plus vite et soient conscients de cette radicalité de ce qui va nous arriver? Oui, il y a de toute évidence une composante générationnelle, parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 18-25 ans ont toujours vécu avec cette menace et cet enjeu du réchauffement climatique, ce qui n'était pas le cas de nos générations. Je dis souvent, la première fois que j'ai entendu parler de... C'est quand même très embêtant ça, qu'il y ait parce que l'âge moyen du votant en France est relativement élevé. Les jeunes participent peu aux élections, donc on a un personnel politique qui est relativement peu enclin à s'emparer du sujet. Alors, bonne nouvelle, on a sorti hier une étude qui montre que les trois quarts des jeunes vont aller voter à l'élection présidentielle parce que c'est une élection qui compte pour eux, et donc on peut espérer que les enjeux écologiques soient mieux portés. Mais il y a un vrai problème générationnel, et on le voit de toute évidence, y compris à l'Assemblée nationale, sur beaucoup de bancs et de formations politiques, les responsables politiques, il y a moins de climato-sceptiques qu'au mandat précédent. Bien sûr, il reste deux ou trois
climato-sceptique à l'Assemblée nationale, c'est une préservation de la biodiversité politique. Ouais. Mais là, il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques. Par contre, la majeure partie des responsables politiques nationaux aujourd'hui dans notre pays n'ont pas ce que j'appelle la pleine conscience écologique, c'est-à-dire de tirer pour leur action politique, comme les chefs d'entreprise pour leur action de stratégie d'entreprise, toutes les conséquences de ce que nous dit la littérature scientifique sur le climat. Et donc, c'est cette pleine conscience qui manque. Et c'est ça, depuis 5 ans que je suis à l'Assemblée nationale, mes discussions et mes désaccords forts avec la majorité, c'est qu'à chaque fois, on répond encore cette semaine au projet de loi de finances, et ça revient à ce que disait tout à l'heure Madame Magnin sur l'investissement. En investissement, en 2022, en France, sur la transition écologique, il manque entre 12 milliards et 14 milliards d'euros d'investissement public plus privé. Sans doute la moitié de cette somme est de l'investissement public pour accompagner les acteurs, puisque, comme ça a été signalé, il fallait encore accompagner certains investissements. Bon, ça, c'est je vous donne les chiffres du gouvernement dans son budget vert sorti avant-hier. Il n'y a pas de conséquences politiques de ça. On sait qu'il nous manque 12 milliards d'euros d'investissement l'an prochain et encore plus les années d'après, ne serait-ce que pour se mettre sur la bonne trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. Et derrière, il n'y a pas l'action correctrice suffisante du point de vue politique. Donc oui, il y a encore, en politique comme dans la sphère économique, de grands progrès à faire. Heureusement, il y a des actions, heureusement, il y a des entreprises qui sont en avance, heureusement, il y a des politiques qui essaient de pousser ça. Mais cette pleine conscience généralisée de la radicalité positive de l'action pour le changement climatique, ça reste vraiment enclenché, à massifier. Et derrière, c'est que des bénéfices en emploi, en cohésion des territoires, en technologie et en qualité de vie. Voilà, donc c'est vraiment... Il nous manque ce grand saut. En France, on fait la transition à moitié depuis des années. Il nous manque ce grand saut positif et ces investissements massifs dont parlait Clarisse Magnin tout à l'heure. D'accord. Alors, Niels Pedersen, on voit que l'irruption d'une pandémie comme le Covid-19, ben, finalement, tout le monde le savait, mais personne n'y croyait. Et donc, on n'a pas préparé nos sociétés à cette catastrophe qu'on peut... Alors, est-ce qu'on la lie au réchauffement climatique ou pas? Je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut... quelque part, élargir l'imaginaire des décideurs. Comment est-ce qu'on les pousse à prendre en compte cette incertitude et cette radicalité des difficultés qui nous attendent? On a quand même un cadre au niveau mondial, et parfois la France l'oublie un tout petit peu dans la définition de ses politiques publiques, qui est l'agenda 2030. Et l'agenda 2030, c'est quand même un cadre défini par les Nations Unies, avec 17 objectifs de développement durable, et qui définit très clairement les objectifs à atteindre pour une société plus juste, plus équitable, et qui prend en compte les enjeux environnementaux. Et ce cadre, il est important parce qu'il permet à l'ensemble des pays d'avoir une vision commune, une boussole commune, on peut même parler, on l'a évoqué à l'instant, d'une grammaire commune, de quoi on parle et dans quelle direction se placer. Et les entreprises, elles l'ont intégré, et c'est aussi le rôle du Global Compact des Nations Unies et du Global Compact de France, d'amener les entreprises à prendre en compte cet agenda, et les directions RSE et développement durable ont pris en compte, en fait, cet agenda de manière assez radicale. Et je voudrais dire quand même, l'entreprise, elle a conscience de ces enjeux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement pour l'entreprise, la question climatique, c'est un des enjeux parmi d'autres. Un chef d'entreprise, il doit gérer en fait des multiples crises, et effectivement la crise environnementale, mais aussi la crise de la biodiversité est une des crises parmi d'autres. Et ce qui est important, et nous on le voit dans les études et on le voit dans nos membres, c'est-à-dire que la prise en compte d'une politique RSE ambitieuse, certes elle ne fait pas de miracle, mais elle permet d'anticiper un certain nombre de changements. Si on prend le cas de la crise de la Covid-19, à la fois, on savait qu'il y aurait une grande pandémie mondiale, évidemment, on ne l'avait pas définie en tant que telle. Les entreprises qui ont anticipé un certain nombre de risques en termes sociétal, en termes humains, en termes business, au cœur de leur stratégie, ont été résilientes, et on le voit d'ailleurs dans les membres du Global Compact, aucune entreprise n'a disparu suite à la crise. Ça prouve bien que cette anticipation, elle est présente, elle existe.
Sans doute qu'elle n'est pas assez rapide, parce qu'encore une fois, et vous l'avez évoqué, la question de l'imaginaire, c'est-à-dire que dans nos sociétés, finalement, on est assez, malgré tout, cartésien. Je parlais tout à l'heure des opinions, mais on a du mal avec des crises qui transforment radicalement le capitalisme. Et là aussi, le capitalisme, c'est aussi de ça dont il est question aujourd'hui, hein, d'abord de la pathurgie ex nihilo, c'est une construction finalement assez lente, même si les choses s'accélèrent. Et on voit bien que justement, en 10 ans, l'accélération de l'ensemble des crises, qu'elles soient sociales, environnementale et économique, force l'entreprise aujourd'hui à accélérer dans sa prise en compte. Et la RSE est un levier formidable. Je donnerai juste un exemple. Les entreprises qui ont anticipé en termes de dialogue social, par exemple, juste avant la crise, mais qui ont également investi dans les réseaux des serveurs technologie, ont été celles qui ont été les plus à même de passer au télétravail, peut-être pas du jour au lendemain, mais de manière assez rapide. Et ça, c'est une façon d'évoluer radicalement. Il y a 2 ans, le télétravail était impensable. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et si je pense ici la notion des fournisseurs, là, on n'est pas sur l'environnement, mais on est aussi quand même sur une forme de résilience sur des territoires. Les entreprises qui ont été en capacité d'accompagner leurs fournisseurs, leurs parties prenantes en disant, écoutez, nous, on investit massivement et on le voit aujourd'hui dans la question des composants et des matériaux. On continue à acheter des stocks parce qu'au moment de sortie de crise, il va bien falloir se développer et travailler différemment. On voit bien que ces entreprises-là qui ont anticipé, aujourd'hui, sont en capacité de répondre. L'autre élément, j'en finirai par là, c'est qu'à un moment, l'entreprise, elle peut anticiper sur son business, elle peut anticiper sur son environnement immédiat, elle ne peut pas anticiper à l'échelle nationale ou internationale. D'accord. Clarisse Magnin, on voit bien que dans une économie de marché, quand on investit, il nous faut une certaine prévisibilité. Pour vous, comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer à cette incertitude radicale ? En fait, il y a déjà eu des crises climatiques. Moi, je me souviens de 2011, quand il y a des inondations en Thaïlande. Il y a un problème de semi-conducteurs. Il y a des entreprises qui sont prêtes ou des entreprises qui ne sont pas prêtes. Comment ? Moi, je pense que effectivement, il y a différents types de risques. Il y a des risques aussi géopolitiques. Ce n'est pas l'enjeu de la table ronde. Il y a des risques de cybersécurité. Personne ne s'attend à avoir une attaque de cyber. Donc, je veux dire, le rôle du dirigeant, c'est d'essayer d'anticiper ces risques. Après, moi, je dirais que donc il y a plusieurs choses. Un, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ce que les entreprises n'ont pas toutes faites, en tout cas, c'est vraiment l'évaluation des risques au niveau le plus opérationnel. Donc moi, par exemple, le secteur que je connais bien, c'est l'agriculture, les biens de consommation. Bon, il faut cartographier ces sites industriels, usines, entrepôts. Ouais. Il faut re-regarder ces sources d'approvisionnement, que ce soit alimentaire, non alimentaire. Il faut regarder la dépendance que l'on a dans la fabrication de ces produits sur un certain nombre de composants ou de matières premières agricoles. Mmh. Et ensuite, avec des analytiques avancées, on a par exemple une capacité à prévoir le rendement des sols. Aujourd'hui, on construit des modèles, enfin nous on en a en tout cas, on prend des agronomes, on prend des climatologues, on prend un certain nombre de caractéristiques sur les terres, sur justement l'eau, etc. Et on est capable de prévoir l'évolution de ces rendements. Et ensuite, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la vague de chaleur avec la sécheresse ou l'inondation, etc. Mais quand on fait des modèles et qu'on prévoit son activité, on prend ces chiffres de fréquence plus importante et on se dit, on stress-teste quelque part ces opérations. Et ça, moi, je pense que ça se... En fait, ça, pour le coup, effectivement, beaucoup d'entreprises restent un petit peu au niveau conceptuel, mais ça se modélise. Et de façon très opérationnelle et très concrète. Tout le monde va devoir le faire. Je pense, par exemple, à un constructeur automobile qui a 10 000 fournisseurs. Il va bien devoir cartographier ses 10 000 fournisseurs, tout à fait. Mais de second rang et de troisième rang, voire exactement. Même. Et ça, c'est quelque chose de concret. Hein. Donc moi, je suis plutôt dans la partie... je travaille beaucoup dans l'agriculture et dans les produits alimentaires, mais aussi dans le non-alimentaire. Bon, on est en train de voir quand même des mouvements de nearshoring, de rapatriement d'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. Et on regarde les impacts en termes de durabilité. Ils ne sont pas toujours évidents, parce que par exemple, ils ne sont pas toujours évidents. Si on raccourcit la chaîne de valeur, pas forcément. Vous mettez des usines en Europe de l'Est plutôt qu'en Chine. Vous dites, c'est quand même plus près de mon marché. Donc forcément, je vais avoir un impact en sustainability qui est très fort.
Eh ben, en fait, le camion par rapport au bateau, etc. Oui. Bon, donc, les entreprises vont regarder ces aspects-là, ils vont regarder la réactivité, mais surtout diversifier finalement leur risque. Donc, moi, je pense quand même que là où il y a du retard, pour vous rejoindre, c'est peut-être dans l'opérationnalisation de ce risque avec des scénarios. Ça, on peut faire. Alors, on n'a pas personne à la réponse sur quand est-ce qu'il y aura la vague de sécheresse, mais on peut faire des scénarios et on peut diversifier, faire cette cartographie des fournisseurs et du coup pivoter et du coup faire des choix différents qui vont du coup répartir aussi les centres de production, que ce soit encore une fois alimentaire, non alimentaire, etc. Donc, je pense que ça va être une très grande transformation de la face. J'appelle moi ça des opérations. Parce que les usines, les entrepôts, jusqu'au champ, avec l'approvisionnement des matières. Et alors, tout à l'heure, on parlait du temps de l'entreprise qui n'est pas le même que celui des marchés. J'ai trouvé que c'était très intéressant ce point-là, parce que moi, ce que je suis en train de... Donc nous, on sert principalement des comités de direction. Et donc, quand on est PDG, on a un horizon plutôt 3 à 5 ans. D'ailleurs, on voit que la durée de vie d'un CEO, c'est réduite au fil des années. Donc quelque part... Mais ça tombe bien, 3 à 5 ans, un mandat présidentiel, c'est ça. Voilà, et bien on le voit en politique, c'est pareil, c'est de plus en plus court, alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Mais par contre, les conseils de surveillance, les boards, eux, regardent à plus long terme. Donc typiquement, sur ces sujets-là, il y a un dialogue entre le comité de direction, qui a des indicateurs de performance à 3 à 5 ans, et le conseil de surveillance, qui doit sécuriser la pérennité de l'entreprise avec une vision de plus long terme. Et ça se cristallise, encore une fois, sur la question de l'investissement. Parce qu'on n'investit pas sur ce type de transition et du coup de couverture de risque à 3 ans. On investit souvent à 7, 10 ans. Donc en fait, c'est là où, dans l'entreprise, on voit des discussions qu'on n'avait pas avant. Et donc moi, j'ai eu avec un certain nombre de clients, on est monté au board avec le management pour dire, voilà, nous, management, voilà ce qu'on peut faire dans le cadre de nos contraintes. Voilà les scénarios, peut-être pour le bien avec un grand B de l'entreprise, mais qui ne sera pas celui sur lequel on va être mesuré, nous, en tant que management. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, une certaine honnêteté. Donc, ce temps long il se vit très concrètement dans le mandat du CEO par rapport à la pérennité de l'entreprise dans la durée et des choix qui peuvent être faits maintenant pour un impact beaucoup plus long terme que ce que les marchés vont être en mesure d'apprécier, y compris dans le cours de bourse. Niels Pedersen, c'est ce que vous voyez aussi, des entreprises qui sont sous la pression de la bourse et qui s'en sortent peut-être moins bien que des entreprises familiales qui ont une vision plus long terme. C'est évident que l'investisseur qui attend un retour sur investissement rapide ne permet pas à l'entreprise de se transformer. Et sur la question de temps, alors c'est une autre forme d'investisseur parce que c'est la puissance publique, mais le temps le court terme pour EDF, c'est 5 ans par exemple. Et là où la puissance publique, son mandat est de 5 ans, donc on voit bien sur la programmation d'énergie que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Là où une entreprise qui a un investissement plus familial peut prendre ce temps, alors après il y a d'autres travers évidemment, parce que l'innovation est aussi active, mais peut prendre ce temps de la transformation. Et la transformation environnementale, elle prend du temps, parce que, et Clarisse l'a dit, la transformation de l'outil de production, il se fait en 2, 3, 4, 5 ans, il ne se fait pas dans quelques mois. D'accord. Et alors, Mathieu Arfelin, pour vous, dans ce cas-là, que peut faire l'État d'un point de vue économique pour les entreprises? Est-ce qu'il doit se faire planificateur, ou alors est-ce qu'il faut qu'il gagne en agilité pour qu'on soit plus résilient? De toute évidence, il faut faire un peu des deux. Sur la planification, bon, le mot fait débat, disons. Hein. Ce n'est pas forcément le mot que j'utiliserai quant à moi. Mais c'est bien quand même aux responsables politiques de donner une direction beaucoup plus claire qu'aujourd'hui. Je crois que les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont aussi besoin de ce cadre politique pour savoir justement comment orienter leurs investissements, comment choisir. Et c'est pour ça qu'au moment où on a des secteurs entiers comme l'automobile, l'aérien ou même la grosse industrie qui sont face à des enjeux énormes, eh bien il faut que l'État soit là pour donner les directions, pour accompagner les investissements, pour garantir aussi une certaine stabilité
ambitieuse du cadre législatif et réglementaire, cohérent avec le niveau européen, ça a été dit tout à l'heure, mais il faut que la France continue et renforce son action au niveau européen. Donc on a, et aussi que l'État investisse beaucoup aux côtés des entreprises, et notamment des plus petites d'entre elles, qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'investir massivement dans cette transition écologique. Donc on a cet effort supplémentaire, je le disais tout à l'heure, plusieurs milliards d'euros en plus par an. Voilà, il faut faire ce qu'on a fait, qui a été fait avec le plan de relance. Les investissements dans la transition, on va dire entre 10 et 15 milliards d'euros en plus par an, ben, il faut qu'on fasse ça pendant les 10 ou 15 prochaines années. C'est grâce à ces investissements, et évidemment grâce à la conversion des compétences, la formation initiale, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la formation continue. Il y a des enjeux énormes de transfert des compétences, de reconversion, de retrouver aussi le chemin de l'emploi pour certains grâce à ces nouveaux métiers de la transition écologique. Donc là, on a une ambition et une action beaucoup plus forte nécessaire des pouvoirs publics au niveau national et au niveau territorial. Et puis l'agilité, je crois que c'est important également et ça manque aujourd'hui. Alors, l'agilité, elle est pas, elle se prépare. Plus on arrivera à anticiper, plus on arrivera à être agile, je crois. Par exemple, sur l'adaptation... L'agilité, ça peut être qu'on n'ait pas cinq niveaux de décision avant qu'il y ait une décision qui soit prise. On le voit à l'hôpital, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'était au début de la crise, un certain nombre des soignants qui, dans les formes magistraux, enfin, dans l'effort magistral qui a été fait, et merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés, notamment au début de la crise et pendant toute la crise, ils disaient ben, finalement au début, on avait perdu un peu les échelons administratifs et à l'hôpital, ça se passait plutôt un peu mieux pour les soignants. Donc, on a ces couches de responsabilité évidemment très fortes en France, mais je crois qu'il faut que l'appareil public, je le disais tout à l'heure en introduction, puisse être beaucoup plus en anticipation. Et les crises de demain, elles se préparent. Imaginez, en France, par exemple, on ne sait pas, vous avez parlé d'adaptation tout à l'heure, on ne sait pas dire combien d'argent, de moyens publics aujourd'hui est consacré à l'adaptation au changement climatique. On ne sait pas faire un panorama global de toutes ces actions-là pour voir on est effectivement dans une bonne préparation pour les acteurs des territoires, et notamment les acteurs économiques. Ce qu'on voit sur les bouleversements sur l'agriculture, par exemple, ici en Maine-et-Loire, on a perdu sur certains vergers 50% des fruits cette année parce qu'il y a eu des bourgeons précoces sur des gels un peu tardifs. Et tout ça, on pourrait beaucoup plus et beaucoup mieux l'anticiper. Et c'est là, je crois aussi, où l'État doit retrouver de l'agilité et sortir du moment où un problème arrive, comme aujourd'hui la crise énergétique. Et donc, on reconvoque des réunions interministérielles, on demande aux services de trouver des solutions en 24 heures, alors que les réponses aux crises, on peut les anticiper. Et je crois que ça, c'est vraiment un des enjeux du prochain mandat, qui sera le mandat où le réchauffement climatique va s'amplifier très fortement. Avoir des politiques qui anticipent et qui donnent une vision, aux entreprises qui en ont besoin pour définir leur stratégie à 3, 5 ou 10 ans, comme c'était dit tout à l'heure. D'accord. Alors, Sylvie Berman, on est en train de discuter du rôle de l'État, de l'anticipation, de son anticipation. Mais alors, une des caractéristiques quand même de la crise climatique, c'est qu'elle est mondiale et que sur le plan géopolitique, bah, c'est quand même difficile de se préparer à cette incertitude radicale et donc aux catastrophes qui vont mécaniquement arriver dans un monde qui quand même semble se refermer. Les pays donnent l'impression, justement, de rapatrier une partie de leur production faite à l'étranger. Et ça pose quand même la question de la coopération internationale, non ?
Oui, la coopération internationale est indispensable. Effectivement, on ne va pas régler le problème du dérèglement climatique dans un seul pays parce que tout a des conséquences et ce qui se passe dans l'Arctique a des conséquences, y compris en Asie du Sud, dans des pays qui ont des climats tropicaux. Donc, il est essentiel de prendre des mesures au niveau global. C'est le rôle des COP, ces conférences des Nations Unies. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution entre les différentes COP. Il y a eu celle de Copenhague qui a été un échec total parce que les États-Unis, la Chine, de mémoire, est-ce que c'était 2015 ? Je ne me souviens plus. Non, c'était pas de... non, ça c'est la COP 21. Je ne me souviens plus de la date, oui. C'était... Ce qui est intéressant, c'est que les Américains, les Chinois, les Russes qui étaient climato-sceptiques considéraient que ce n'était pas un problème et que la priorité, c'était le développement et que le développement était contradictoire avec la protection de l'environnement. Les Chinois disaient, vous avez pollué, vous êtes développé, vous n'avez pas pollué pendant 200 ans, c'est notre tour. les Russes disaient, nous, finalement, si on a 1 ou 2 degrés de plus en Sibérie, on ne s'en plaindra pas. Et les choses ont considérablement évolué sous la pression de la réalité, en fait. En Chine, il y a eu ce qu'on a appelé l'herpocalypse. Et j'étais à Pékin, à ce moment-là où c'était tout a été 2013, arrêté. 2014, les trains, les avions, tout était à l'arrêt. On ne voyait absolument rien. Et les autorités chinoises avaient publié un avis de légère pollution. Il y a eu une révolte de toute l'opinion publique. Et le lendemain, le gouvernement chinois a commencé à publier des données qui incluaient les particules fines. Mais donc, oui, mais par exemple, je crois que c'était la une du Financial Times mardi, face à la crise énergétique, le gouvernement de Xi Jinping a demandé aux sociétés minières de creuser un peu plus, un peu plus profond, un peu plus vite, pour avoir du charbon. Parce que y a un problème de gaz, donc on voit bien quand même qu'il y a quand même une limite très forte à la coopération internationale. Et juste si je peux me permettre, en fait, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, nous dit qu'il faut laisser 90% du charbon sous terre aujourd'hui. Oui. Si on veut tenir les objectifs de Paris de 1,5 degré. Donc il y a aussi cette question de, est-ce que tout cela, même si on arrive à financer la transition, c'est un free lunch ? Pas sûr. Hein. Enfin, il y a aussi des contradictions entre pays au niveau international, mais aussi des choix d'usage aussi à faire dans l'intérieur de chaque pays, qui sont très très compliqués. Alors, la Chine a annoncé quand même la neutralité carbone, le pic en 2030. Oui. Et pour ceux qui ont vécu en Chine, il y a une différence considérable. Mais ils sont partis d'une dépendance totale au charbon. Et donc, la transition prend un certain temps. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, par exemple, les objectifs qui avaient été fixés aux gouverneurs pour leur notation, d'une certaine manière. C'était uniquement en termes de PNB, alors qu'aujourd'hui, c'est aussi en termes de protection de l'environnement. Donc, c'est une tendance. Les jeunes Chinois, comme dans tous les pays, sont beaucoup plus intéressés par l'écologie. Et même évolution, quand même, donc, en Russie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu des canicules et des feux en Sibérie. On sait que le permafrost également est en train de fondre dans l'Arctique. Et même Poutine, qui était climato-sceptique, avait fait un sommet arctique et il avait mis en garde, puisque le réchauffement climatique est le double de ce qu'il est dans le reste du monde, et qu'il y a toute une ceinture de villes construite dans le permafrost, avec, je crois, je ne me souviens plus du nombre de
mètres en profondeur. Ouais. Je sais pas si c'était. Ce sont des villes sur pilotis. Ce sont des villes sur pilotis. Mais si le permafrost fond, ces villes vont s'enfoncer et vont disparaître. Et en plus, avec la fonte du permafrost, il y a des études en Russie disant que, évidemment, il va y avoir une augmentation du CO2, mais également des virus qui sont enfouis dans le sol depuis des siècles. Alors, on n'a pas de certitude là-dessus, mais en tout cas, il y a des études qui ont été faites. Et donc, je pense que ce qui est intéressant au niveau international, c'est la prise en compte de cela, même si il faut être réaliste aussi, ça prendra un certain temps. Et puis, comme on parlait d'agilité et puis de l'État versus les entreprises, ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque Trump, très climato-sceptique et même militant contre tout changement climatique, certains États et certaines villes américaines respectaient les engagements qui avaient été pris à la COP21. Puis on n'en parle pas du tout, mais il va y avoir la COP26 dans quelques semaines, quand même à Glasgow. Ouais, ouais. Vous en attendez beaucoup ? Je ne sais pas. Bon, d'accord. OK. Et alors, il y a aussi, il me semble, un sujet dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on est de plus en plus fracturés, et qu'en fait, il va quand même falloir qu'on accélère, qu'on améliore la résilience de nos sociétés, et les fractures sont quand même là, et elles ont tendance à s'accroître, en plus avec les coûts liés à la transition énergétique. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une transition juste ? Mathieu Orphelin, vous avez je suppose que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. C'est le sujet majeur. C'est le sujet majeur. Comment on arrive On y vient après 40 minutes ou... Non, c'est un sujet majeur. Non, excusez-moi. Non, mais rappelez-vous les Gilets jaunes en 2018. Qu'est-ce qu'ils nous disaient ? On n'est pas contre l'écologie, on n'est pas contre le climat. Bien sûr, pour nous aussi, c'est important. On n'a pas d'autre choix que de prendre notre voiture au diesel pour aller travailler. Et les politiques, vous n'êtes même pas capables de taxer le kérosène des avions, alors que vous taxez notre diesel. On a besoin de justice sociale dans cette transition écologique, parce que ceux qui sont les moins riches sont ceux qui sont les plus impactés, par le changement climatique, qui sont dès aujourd'hui les plus impactés par la précarité énergétique. Un ménage modeste, si on additionne les coûts de carburant et les coûts de combustible, le chauffage à la maison, pour beaucoup de ménages, on est à quasiment 20% du revenu. Quand vous êtes dans les classes aisées, bon, vous payez un peu plus à la pompe ou votre gaz, dans votre revenu disponible, ça compte autour de 5%, c'est pas très grave. Donc, l'enjeu majeur, c'est la redistribution, c'est d'avoir des politiques climatiques et énergétiques qui permettent, dans le même temps, de préserver le pouvoir de vivre des classes moyennes et des Français les moins aisés. C'est pour ça, par exemple, que hier, j'ai écrit au Premier ministre pour proposer, face à la crise énergétique, plutôt des chèques énergie pour 20 millions de ménages, plutôt qu'une simple baisse des taxes qui me paraît beaucoup moins redistributive. Donc, on est vraiment dans cette justice sociale. Cette justice, elle doit être aussi fiscale. Alors, bien sûr, on espère des avancées pour le climat, la taxe aux frontières, notamment, sur lesquelles les uns et les autres prennent des engagements depuis des années, voire des dizaines d'années. Mais il y a aussi une question de justice fiscale. Et là, il nous faudra des nouveaux outils pour arriver à ce que la finance s'oriente plus rapidement qu'aujourd'hui vers le financement des activités qui sont favorables au climat, à la biodiversité, à la cohésion sociale. Et revenir sur un certain nombre de niches fiscales dont profite aujourd'hui de façon très importante un certain nombre de multinationales, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais aussi avoir une fiscalité repensée. Par exemple, l'ISF climatique. Pas revenir à l'ISF tel qu'il existait avant 2017. C'est-à-dire l'ISF climatique, oui. Eh bien,
En gros, si vous investissez dans un secteur qui est favorable au futur, on va dire, pour simplifier, soit des fonds qui sont labellisés Greenfin ou équivalents, ou soit dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou de l'investissement social et responsable, sur tous ces sujets-là, on a des définitions, des labels, etc. Et bien sûr, ces investissements financiers-là, les gens ne paieraient pas d'ISF. Par contre, ils en paieraient sur les autres et ils en paieraient un peu plus sur les investissements les plus carbonés. Et donc là, on serait sur une mobilisation beaucoup plus forte du secteur financier qui, naturellement, on l'espère, s'orientera un peu plus vite qu'aujourd'hui sur les investissements favorables au futur. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut investir dans cette transition, mais il faut surtout, et dans le même temps, cesser d'investir dans des investissements défavorables au climat, dans les énergies fossiles. Et là aussi, le rythme de désinvestissement en France, en Europe et dans le monde est trop lent. Bien sûr, il y a des annonces, il y en aura la semaine prochaine sur un certain nombre de banques françaises qui vont enfin sortir du financement du charbon et des énergies fossiles, mais il y a un vrai enjeu. Ouais, la finance n'est pas mon ennemi, pour reprendre une formule célèbre. Et la finance doit être beaucoup plus au service de la transition écologique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mmh. Niels Pedersen, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire encore plus d'efforts qu'aujourd'hui? Je veux dire, la question qui va payer, c'est ou l'État, les ménages ou les entreprises. Mais quand on dit l'État, c'est obligatoirement ménage ou entreprise. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'on peut augmenter les taxes sur les entreprises ou alors il faut trouver d'autres moyens pour financer la transition écologique? Les entreprises, elles sont prêtes à faire plus. Moi, j'ai pas doute là-dessus, elles le disent. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'elles? Et ça pose une question centrale, quel est le rôle de l'entreprise dans la société? Et je ne suis pas convaincu que plus de taxes est forcément la réponse, parce que ça pose pas la question de la modèle de société. Et pour moi, en fait, au-delà de la taxe, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société? Ça a été dit à l'instant, je l'ai parlé tout à l'heure aussi de crise du capitalisme. Aujourd'hui, dans les ruptures qui sont les nôtres, on est quand même dans des ruptures fondamentales qui transforment radicalement le monde. Et ça pose la question finalement, je dirais, du mythe fondateur qu'on veut ou de l'imaginaire que l'on veut pour évaluer le réel avec un risque qui est fort. Et on revient encore à la notion politique, c'est que c'est facile de s'imposer en procureur de bonne vertu, d'imposer un monopole des valeurs qui sont par essence très... mobile, et que en fait la question au-delà de la taxe, c'est la question de la transition juste. Et la transition juste, et ça a été évoqué par Mathieu Follin juste avant, c'est finalement le modèle de société et qui pose quand même comme fondamentaux, d'une part les droits humains et d'autre part, le droit environnemental. Et on ne peut pas opposer aujourd'hui les deux. Et l'entreprise, elle est écartelée entre les deux parce que par définition, en tout cas en France et en Europe, elle est attentive aux droits humains. Ça, on peut pas lui reprocher. Elle prend en compte les notions environnementales parce que tout simplement, c'est aussi la durabilité de l'entreprise qui est en question. Hein. S'il n'y a pas d'environnement autour de l'entreprise, elle ne peut pas évoluer, mais aujourd'hui, la notion environnementale n'est pas prise en compte dans le PIB. Donc, dans la production marchande telle qu'elle est évaluée aujourd'hui en France, le déficit environnemental ou la non-prise en compte de l'environnement n'est pas monétarisé. Donc, forcément, l'entreprise, quand elle le fait, finalement, ça lui coûte. Elle le fait, mais elle peut le faire jusqu'à une certaine mesure, parce que d'un autre côté, les investisseurs pourraient lui reprocher. On a parlé aussi du rôle des investisseurs. Aujourd'hui, dans les études du Global Compact des Nations Unies, la pression des investisseurs sur les chefs d'entreprise, elle n'est pas si forte que ça. Quand les chefs d'entreprise disent bah, finalement la pression, elle vient à 73% des clients et des consommateurs qui nous poussent, nous chefs d'entreprise, à évoluer, à faire transformer l'entreprise, là où seuls 31% des investisseurs nous poussent dans nos modèles de production. Donc, on voit bien, et la question du charbon, elle est pas neutre. Hein, quand la Chine investit. Il y a un vrai changement dans la finance aujourd'hui. Il y a un changement évidemment dans la finance parce que c'est bien gentil de se désinvestir du charbon en France quand les Allemands investissent aussi du charbon dans la production électrique. Les Chinois investissent du charbon et derrière c'est concret, hein, c'est de la production d'objets importés, et c'est donc du carbone importé directement en France, là où nos entreprises ne le font pas. Donc la question de la taxe, c'est pour ça que je la mets pas de côté parce qu'évidemment c'est un élément important de la définition du vivre ensemble, mais ce n'est pas le seul élément et c'est qu'est-ce qu'on veut concrètement, et c'est pour ça que j'aurais la transition juste.
D'accord. Je voulais juste compléter sur... tout à l'heure, je disais que... Donc, nous, on avait chiffré pour l'Europe. Hein, donc, on a fait ça pour... D'ailleurs, la France est un des pays dans l'Europe qui bénéficierait le plus de la transition environnementale en termes de création d'emplois et de croissance. C'est bon à savoir, mais... bon, et tout ça fonctionne, évidemment, avec des coopérations entre pays, parce qu'il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Oui. Donc, il faut tout remettre dans le pot commun. Sinon, ça, en fait, sinon, le chemin de crête... ne fonctionne pas. Ouais. Mais je disais tout à l'heure, donc il y avait sans doute 11 millions d'emplois qui pouvaient être créés en Europe sur la transition et 6 millions qui seraient détruits. Donc on a un net de 5 millions, mais enfin c'est quand même des volumétries très très importants. Ouais, ouais. Et on peut imaginer gilets jaunes x10, hein, parce qu'en fait il y a des industries qui peuvent être très sinistrées par cette transition. Et si c'est pas expliqué... et surtout, s'il n'y a pas d'opportunité pour ces hommes et ces femmes de retrouver un emploi, ce sera parfaitement inacceptable pour eux. Donc, on a quand même c'est vraiment, je pense, on a quand même une bombe à retardement sur ces sujets-là aussi. Et nous, on a chiffré qu'il y avait 18 millions de personnes, encore une fois, hein, si on se met sur impact zéro à 2050, qui devraient être reformées et ou accompagnées dans une reconversion professionnelle. Donc je pense que ça, c'est par exemple pour la puissance publique, c'est fondamental. Parce qu'il y a le sujet des investissements dans des technologies qui vont nous aider à avancer vite. Il y a tout l'environnement fiscal, le coût de la tonne de carbone, et puis la prise en compte dans les mesures de performance économique de l'impact carbone des acteurs. Mais il y a aussi tout l'accompagnement humain en termes d'emploi. Parce que sinon, je pense que ce sera difficile, voilà. Pour voilà. Mais la France, en tout cas, a cet avantage d'être vraiment dans les pays qui seraient bénéficiaires de cette transition. D'accord. Et alors, vous voulez parler Oui, moi j'aimerais bien. Je pense que ce que vous soulignez là est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on voit, et lorsqu'on discutait du rôle aussi de l'acteur public sur ces sujets, on voit bien aussi l'ampleur de la question que ça pose sur la transformation des compétences en fait, professionnelles aujourd'hui. Alors pour nous, institutions de formation, c'est évidemment très très impactant, mais au-delà de ça, il y a vraiment des raisonnements de filière, des raisonnements à l'échelle nationale et des arbitrages qui ne sont pas évidents à mener. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, là, il y a quand même un chantier sur lequel il va falloir travailler beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai été très sensible dans les débats à la question de la temporalité, qui est beaucoup revenue. Et en fait, je pense que par rapport à tout ce qu'on dit là, on revient sans cesse à cette question de temporalité, c'est-à-dire temporalité de nos sociétés par rapport aux temporalités des mécanismes dont on parle et des mécanismes de réchauffement climatique. Alors, on a beaucoup parlé de climat, mais il y a aussi toutes les questions de biodiversité, d'accès aux ressources. Et en fait, tout ça fait système. On est dans des temporalités qui sont en fait beaucoup plus rapides, paradoxalement. C'est-à-dire, on se projette à 2100, mais on voit les mécanismes arriver beaucoup plus vite que nos capacités d'adaptation. Et là, je pense qu'il y a un gros sujet. Tout à l'heure, vous parliez du climat social autour de ces questions. Je pense qu'il faut s'attendre, du fait de la lenteur de l'adaptation de nos sociétés, à une vraie radicalisation et une vraie polarisation des débats autour de ces sujets-là. Et moi, je pense qu'il faut... Tout à l'heure, je citais l'étude de Pricewaterhouse sur les priorités ou les risques perçus par les grands dirigeants. Il y a une autre étude qui est sortie récemment, qui est l'étude parue par le Lancet Planetary Health, qui montre qu'ils ont sondé 12 000 jeunes de 16 à 25 ans sur leur représentation du futur dans différents pays. Il montre qu'en gros, à l'échelle internationale, 75% des jeunes, et le chiffre est exactement le même en France, 75% des jeunes jugent l'avenir effrayant, notamment sur les volets environnementaux et climat. Et d'autant plus, cette éco-anxiété qui devient générationnelle, en fait, elle est d'autant plus forte qu'il y a de l'inaction collective et il y a de l'inaction des dirigeants. Comment est-ce qu'on peut rester positif alors que... Oui, mais alors là-dessus, j'entends beaucoup ça, l'idée qu'il faut rester positif. Alors certes, il faut rester positif, il ne faut pas basculer dans l'idée que tout est foutu, etc. Parce que là, on aura complètement raté. Il faut surtout être réaliste par rapport au sujet. Et donc, il faut faire attention à rester optimiste tout en restant réaliste.
Mathieu Orphelin, pour vous, comment est-ce qu'on reste encore positif? Parce que je vais citer un autre sondage, mais il y avait l'Institut Kantar en septembre dernier qui indiquait que 56% des sondés estimaient que l'humanité était condamnée. C'est 56%, ça veut dire, enfin, nos futurs, on est tous des punks. Il n'y a qu'une solution pour ne pas se désespérer, c'est l'action. C'est de tout faire pour tenter de construire un futur durable. C'est de n'avoir aucun regret. Ce qu'il y a de bien, si on y arrive, c'est que ça n'a que des avantages en termes d'emploi, en termes de santé, d'éducation, de cohésion, géopolitique. Si on arrive à relever ces défis qui, bien sûr, sont immenses, ça n'aura que des conséquences positives. Donc ça, voilà, c'est l'action. Et deux, c'est le collectif. C'est de travailler ensemble, d'inventer des nouvelles formes de coopération plutôt que dans notre société, malgré tout, qui reste une société de compétition. On s'en sortira tous ensemble ou on échouera tous ensemble. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est dans l'action et puis dans ce qu'on doit, bien sûr, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et moi, c'est vrai qu'on croise de plus en plus de jeunes qui ont envie qui sont dans cette anxiété, dans cette désespérance. Et moi, je les oriente toujours, je les conseille, je leur dis, voilà, faites, mobilisez-vous, donnez du sens à votre travail, à vos engagements associatifs, et surtout, ne restez pas tout seul, parce que la solution, face à ces immenses défis, les solutions sont forcément collectives. Ok, merci beaucoup. Alors justement, vous avez dit qu'il fallait inventer des nouveaux modèles, et donc j'ai une question de la salle, enfin de quelqu'un qui nous écoute et nous regarde via son PC ou son écran. C'est une question de Julien qui demande, faut-il créer des modèles ex nihilo ou peut-on avancer sans faire table rase des modèles existants pour rediriger nos efforts? Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Moi, je sais que là, on avait un grand colloque chez nous cette semaine, et on a les pays d'Europe du Nord sont en train on a appelé ça, nous, la Silicon Valley du développement durable. Ils sont en train de créer en fait des modèles très très innovants pour collecter des matériaux, pour recycler des matériaux, pour refaire des matériaux, pour intervenir sur différentes étapes de la chaîne de valeur. Donc il y a tout ce qu'on appelle la green growth, croissance verte, quand même pas mal de start-up qui innovent. Et en fait, ce que nous montre aussi l'histoire économique, c'est que les innovations, aujourd'hui, elles ne viennent plus des grandes entreprises, elles viennent que des start-up, enfin, principalement. Oui, donc il y a un rôle, et ça par rapport au point sur les jeunes, moi, mes enfants, ils sont complètement dans la théorie de l'effondrement aussi, ils sont pourtant beaucoup, c'est pas encore des jeunes adultes, mais... Ils pensent qu'on est foutus. Ouais. Donc, je suis d'accord, la réponse, c'est l'action, l'engagement. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est que quand on a fait notre rapport, on a trouvé 600 leviers, on a 60% des technologies qui sont existantes. Il y en a 30% qui sont en cours d'élaboration, mais qui sont assez prometteuses. Et puis le solde, c'est-à-dire 10%, là, pour le coup, on ne les a pas encore trouvés. Donc, je dirais, par rapport à votre question, je pense que il y a l'engagement, j'ai envie de dire, associatif, politique, et il y a aussi, dans les grandes entreprises et pas simplement dans les start-up, être un acteur de changement. Et on peut, dans des grandes entreprises aussi, inventer des nouveaux modèles de revenus, de services, de nouveaux produits. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet sur l'innovation. Et je pense qu'en Europe, on a quand même un niveau d'éducation très élevé. Et donc, je pense que pour cette jeunesse-là, quelle que soit la structure qu'ils choisissent, quand même la possibilité d'innover. Oui. D'accord. Aurélien, vous voulez pas. Ce sujet-là me semble complètement central. Évidemment, on a besoin d'innovation par rapport à ces sujets-là. Évidemment, on a aussi besoin de travailler de manière collective et de ne pas laisser les individus seuls par rapport à ce que disait M. Orphelin à l'instant. Par rapport à l'innovation, on va avoir besoin d'innovations technologiques et certaines innovations qu'on ne connaît pas. Et alors là, c'est intéressant de voir aussi les scénarios de l'AIE
qui nous dit qu'en gros, on voit que dans les scénarios neutralité carbone, on va avoir besoin de monter en régime, par exemple, très fortement sur les technologies de capture du CO2 qui aujourd'hui ne sont pas mûres. Donc là, il y a un besoin d'innovation qui est absolument énorme. Il y a aussi un besoin qui est de l'innovation technologique, mais pas que technologique. Il y a beaucoup, il y a besoin de repenser des business models qui vont être plus sobres et d'inventer de nouveaux usages qui vont être beaucoup plus sobres en fait en énergie. Et là, il y a d'énormes besoins d'innovation qui vont mobiliser le marketing, une réflexion sur les usages, sur les mécanismes de génération de la valeur. Donc c'est de l'innovation à la fois technologique et de l'innovation qui ne va pas être que technologique, qui va être aussi culturelle. On a parlé aussi des imaginaires. Oui. Et là, il y a quand même un chantier qui est à la fois très important et passionnant pour nous. Ok. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question de la salle? Oui, allez. Et, alors, Elisa demande, l'agenda 2030... jusqu'à quel point est-ce qu'il peut être un outil structurant pour le dessin des actions et des activités humaines? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que, Niels Pedersen, vous avez peut-être quelque chose? Oui, il est structurant en fait, et l'avantage c'est qu'il a été défini collectivement. On a parlé du collectif à l'instant, c'est quand même l'ensemble des États membres des Nations Unies qui ont défini des objectifs en commun à atteindre. Donc c'est un élément extrêmement structurant et il ne faut pas avoir peur des 169 cibles qui sont derrière. C'est une boussole très concrète hein, qui donne des objectifs. On sait malheureusement qu'on n'atteindra pas tout. Et je voudrais réagir par rapport à la question précédente, c'est qu'aujourd'hui le défi qui est devant nous, c'est la question de méthode. Est-ce que c'est la radicalité? Faut-il renverser la table? Je ne sais pas. Les révolutions ne donnent pas toujours les bénéfices escomptés. En revanche, c'est le passage d'une verticalité de notre société à de l'horizontalité. Et là aussi, on revient à l'agenda 2030 avec le DD numéro 17 qui est lié au partenariat. Hein. C'est la capacité à travailler ensemble, c'est la capacité à dialoguer et c'est la capacité dans une société qui est fragmentée à ce que chacun s'écoute, partage et accepte de ne pas avoir raison et se définit des horizons communs. Et la difficulté, c'est de définir des horizons communs puisqu'aujourd'hui, chacun s'enfermant dans sa bulle de certitude, n'accepte plus de dialoguer et c'est ça l'enjeu à mon avis. Je vais être obligé de vous quitter malheureusement. D'accord. Bon, mais on arrête. Donc voilà, le temps qui nous était donné est arrivé à terme. Voilà. Merci à tous, merci à tous les intervenants pour leurs interventions. Merci beaucoup. Au revoir.